Notre-Dame, au Marniès, Moulagrange. Voilà, c'est un clocher qui est sur la commune de Font-Rieux. Vous verrez, l'église est splendide à découvrir sur l'un des plus hauts points de la paroisse. On va passer par là où passaient les gens. Suivez-moi. Voilà. Bonjour Monsieur Go. Je suis avec la caméra. Monsieur Go est l'ancien maire de la commune du Marniès qui a été intégré à Font-Rieux. Il va nous présenter cette église. De page. Ah, elle est longue, hein. Non, on le fera. Ah bon, c'est toute l'histoire de la mairie. Allez, l'église. On y va. Monsieur le curé, mesdames et messieurs, mes chers amis, Père Louis de Bon. Je suis heureux de vous accueillir dans cette église Sainte-Marie-Madeleine à la Grange. Car l'église est un lieu de culte, un lieu public, qui conserve tout son intérêt pour la communauté des chrétiens. Si d'un les autres ont la foi, les autres ressentent un jour ou l'autre cette nostalgie ou de regret de ne pas appartenir à une communauté qui semble si heureuse quand elle est réunie. Elle apporte la paix dans de certaines discordes. L'Église, hors son utilisation religieuse, reste l'esprit de tous les symboles du village, symbole d'une communauté vivante, symbole des racines paysannes, symbole de l'identité d'une commune, l'âme du village. La vie de cette église a commencé il y a 347 ans, dans un test de 1147, et mentionné l'existence de la paroisse de Saint-Martin de la Sagnos, limitrophe des terres que l'on nomme Soulègue, sur le territoire de la Sousse. La partie haute se nomme Cedo et la partie basse Pomaredo. On ne sait pas trop où se situe cette église. La tradition orale et locale situe cette église au lieu dit Saint-Granas. Et lors de sa destruction, on aurait caché les cloches dans le ruisseau de la Steyouse, au lieu dit le groupe de la Scampane. En effet, on peut voir l'emplacement des cloches au fond du gouffre. Les premiers textes écrits mentionnent que les territoires du Marniès date du XIIe siècle. Ce sont les achats faits ou les donations reçues par les moines de l'abbaye de Sylvanès entre 1146 et 1153. Ces territoires sont Canramon, Mascrouzet, Mascas d'Astravagliaz, le territoire de Savizeau et la seigneurie de la Sousse. Ces moines ont défriché le Marniès au XIIe siècle. En 1158, un bornage a été effectué pour séparer le territoire appartenant aux moines de Sylvanès et celui du roi de France. Des pierres ont été sculptées sur deux faces. Vers le Marniès, la crosse, symbole du pouvoir épiscopal. Vers Castelnau de Brassac, la fleur de lys, symbole du pouvoir royal. Ces bornes sont toujours en place. La paroisse de Saint-Martin de la Sagnos disparaît vers 1600. Le territoire de l'actuelle paroisse de la Grange de Le Marnier faisait partie de la paroisse de la Salvetat. Par ordonnance rendue en cours de visite le 25 juin 1666 par Monseigneur de Pierre Jean-François de Persen de Montgaillard, évêque de Saint-Paul, crée la nouvelle paroisse au paiement par les habitants du Marniès de la dîme qui sera consacrée à la construction de l'église du Marniès, conformément au plan délivré pour l'entretien d'un prêtre et d'un clerc.
À cette époque, la paroisse de la Grange faisait partie du diocèse de Saint-Paul. 9 ans plus tard, en 1675, on peut lire dans une de ses ordonnances que le dit Seigneur évêque a fait bâtir une église par compassion pour les habitants de Lemarniès qui étaient éloignés de 3 lieues de la paroisse de la Salvetat, de laquelle ils dépendaient avant, qu'ils ne pouvaient, par rapport à l'éloignement, qu'à la rigueur du climat, entendre la messe. N'y recevoir aucun secours spirituel et le plus souvent mourir sans sacrement. Effectivement, les actes de baptême et de mariage remontent jusqu'en 1673, dont nous pensons que les travaux de cette église se sont bien réalisés à cette époque, là pour être complètement terminés en 1687, puisque cette date était inscrite sur la porte d'entrée qui se trouvait au fond, et c'est en 1806 que le porche latéral est créé pour fermer le passage de la partie du fond qui était au mauvais temps. Cette église a été couverte pendant très longtemps avec de simples genêts. Après 1666, un procès s'engage entre Monseigneur de Guéret, évêque de Saint-Pont, et Monsieur l'abbé de l'abbaye de Sylvanès, qui possédait un domaine sur le territoire de la nouvelle paroisse, qui prétendait ne devoir pas contribuer au paiement de la dite congrue. La congrue était le traitement alloué aux desservants, sous prétexte que l'édit même féodé, que le dit abbé ne perçoit point comme seigneur ecclésiastique, mais bien comme seigneur temporal, possédant cette terre par la donation qui en fut faite par Roger, vicomte de Béziers, procès-verbal fait le 9 novembre 1566 par M. Bonamy, juge de Sainte-Afrique, Vabre et Sylvanès. Le procès se termina par la transaction du 26 janvier 1675, où les deux parties se mettent d'accord pour payer chacune la moitié de la congrue, c'est-à-dire. La congrue du vicaire de Lemarniès s'élevait à 200 livres, avait droit de prémices payées par les paroissiens. L'entretien du sanctuaire et les ornements seront couverts à part égale par l'abbé de Sylvanès et l'évêque de Saint-Pont. 1685, le 6e curé, Monseigneur Brenier, reçoit des moines de Sylvanès une maison et un jardin. 1714, visite pastorale par Monseigneur Jean-Louis de Balbe, de Breton, de Grillonnet, pour une confirmation, évêque de Saint-Pont. 1722, le curé Lande établit avec l'approbation de l'évêque de Saint-Pont la confrérie du Saint-Sacrement. Il y avait 450 communiants sur la paroisse. Comme aujourd'hui. C'est le début. 1731, visite pastorale de Mgr Paul-Alexandre de Guéret et confirmation de 42 confirmants, archevêque de Saint-Pont. 7 mars 1791, vente des biens nationaux dépendant de l'abbaye de Sylvanès. Au moment de la Révolution, le curé Glaise prête serment et faisait officier d'état civil. 1806, la paroisse devient plus importante du fait que le curé de Soulègre cède une partie au curé de la Grange qui s'appelait Chavard. Il fut curé de la paroisse de 1802 à 1821. 1822-1824, le curé Joliet effectue des travaux à l'église et le cimetière actuel remplace l'ancien qui se trouvait devant l'église. Il fut prêtre de cette paroisse de 1822 à 1866. 1830, construction d'un clocher et achat de 2 cloches. 1835, la paroisse perd le Moulin-Haut et Chabert
du fait de la construction de l'église de Jean Ladieu. 1854, l'église est revoûtée. 1852, la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine de la Grange, territoire actuel, comptait 562 paroissiens. 1866, la maison donnée il y a 227 ans par les moines de Sylvanès est rehaussée. C'est bien sur l'ancien presbytère qui a été transformé en deux logements en 2011, 2012 et 2013. Le prêtre à l'époque s'appelait Bousset, de 1866 à 1874. 1879, bénédiction par le curé Bourges, de l'actuel chemin de croix, prêtre de cette paroisse de 1874 à 1885. 1986, rénovation de l'installation électrique intérieure de l'église. 1993, mise des murs en pierre apparente à l'intérieur de l'église. C'est ce que vous pouvez voir. Il y a eu la mise apparente à l'intérieur de l'église, de la sacristie et le chœur qui a été refait. Et à la suite de ça, le 25 juillet 1993, on avait fait une petite fête. Ah, et il y avait combien de personnes? Dans les 500, en plus. Eh bien, on fait pareil cet été avec ces 100 personnes? Pareil. Si le bon Dieu le veut. 1995, rénovation de la toiture du clocher, construction d'un escalier tournant avec rampe à l'intérieur du clocher. 1996, rénovation de la toiture de l'église. 1997, électrification des cloches, puis il y a eu l'installation du chauffage. 2014. Je peux ajouter aussi que le 28 mai 2014, Monseigneur Jean Legré est venu célébrer une messe pour l'érogation. Ici. D'accord. Ensuite, toutes les statues ont été achetées par les paroissiens. Deux familles se sont unies pour financer l'hôtel en granit. L'hôtel en bois a été donné à la rotonde Douillas, le petit hôtel en bois qu'il y avait avant, d'accord, qui a été remplacé par l'hôtel en granit. Père Louis, vous êtes le 32e prêtre à célébrer la messe dans cette église. Nous souhaitons que tous nous souhaitons que vous restiez le plus longtemps possible parmi nous. Pour ma part, pendant ma fonction de maire, j'ai été heureux de chérir cette église, car ceux qui l'ont construite de leurs mains ont souhaité qu'elle reste ouverte, entretenue et fleurie. Alors, je vous remercie. Simplement, je vais vous dire, vous rappelez une fois, je suis venu manger chez vous au tout début où j'étais arrivé. Et vous m'avez dit, est-ce que vous voulez aller voir l'église? Et comme un mauvais curé, j'ai dit, je préfère m'intéresser à vous qu'à votre église. Je vous avoue que je le regrette. Ce jour-là, j'aurais au moins dû m'arrêter quelques secondes et j'aurais pas mis 8 mois, ou presque 1 an, à découvrir l'église dont toutes ces générations ont pris soin. Ce que je comprends, c'est pas que des pierres, c'est pas que j'ai des générations, c'est aussi votre cœur et le cœur de tous ceux qui ont vécu ici que l'on va confier au Seigneur dans cette messe. Tous ceux qui sont passés, vous tous aujourd'hui, tous ceux qui viendront. J'ai représenté sur la question du nombre, effectivement, nos populations n'ont pas le même âge, mais on va prier pour qu'il y ait un renouveau de nos campagnes et de la foi dans le Seigneur. Merci beaucoup. Vous pouvez aller vous asseoir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, donne-nous de savoir nous appuyer sur l'ancienneté de ta présence en ce lieu pour nous en nourrir, pour pouvoir le transmettre à tous ceux qui te cherchent comme une manière solide d'avancer vers l'avenir et vers toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Et si quelqu'un veut bien lire la première lecture. Lecture du prophète Amos. Écoutez cette parole que le Seigneur prononce contre vous, fils d'Israël, contre tout le peuple qu'il a fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai distingué, vous seuls, parmi tous les peuples de la terre. Aussi, je vous demanderai compte de tous vos crimes. Deux hommes font-ils route ensemble sans être mis d'accord? Est-ce que le lion rugit dans la forêt sans avoir de proie? Le lionceau va-t-il crier du fond de sa tanière sans avoir rien pris? L'oiseau tombe-t-il dans le filet posé à terre sans y être attiré par un appât? Le piège se relève-t-il du sol sans avoir rien attrapé? Va-t-on sonner du cor dans une ville sans que le peuple tremble? Un malheur arrive-t-il dans une ville sans qu'il soit l'œuvre du Seigneur? Car le Seigneur Dieu ne fait rien sans en révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. Quand le lion a rugi, qui peut échapper à la peur? Quand le Seigneur Dieu a parlé, qui refuserait d'être prophète? J'ai tout détruit chez vous, comme Dieu a détruit Sodome et Gomorre. Vous étiez comme un tison sauvé de l'incendie, et vous n'êtes pas revenus à moi, oracle du Seigneur. C'est pourquoi voici comment je vais te traiter, Israël. Et puisque c'est ainsi que je vais te traiter, prépare-toi, Israël, à rencontrer ton Dieu. Parole du Seigneur. Seigneur, que ta justice me conduise. Seigneur, que ta justice me conduise. Tu n'es pas un Dieu ami du mal. Chez toi, le méchant n'est pas reçu. Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. Seigneur, que ta justice me conduise. Tu détestes tous les malfaisants. Tu extermines les menteurs. L'homme de ruse et de sang, le Seigneur le hait. Seigneur, que ta justice me conduise. Pour moi, grâce à ton amour, j'accède à ta maison. Vers ton peuple saint, je me prosterne saisi de crainte. Seigneur, que ta justice me conduise. Alléluia, alléluia, alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent, et voici que la mer devint tellement agitée que la vague était recouverte par les vagues. Mais lui,
dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer et se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et ils disaient « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louons à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir, j'en ai pour 5 minutes. Alors on voit ces quelques disciples qui sont dans l'eau, dans leur barque, et il y a une tempête. Il faut savoir qu'ils ne savaient pas nager. C'est pour ça que la moindre petite vaguelette les terrorisait, parce que ça leur faisait avoir peur de se noyer. Ce n'était pas les tempêtes de l'Atlantique, du Cap Horn. Mais quand on ne sait pas nager, on sait que le moindre truc peut nous renverser et nous faire mourir. Aujourd'hui, les trois tempêtes, ça peut être celle de l'Église, ça peut être des tempêtes personnelles. Aujourd'hui, c'est pas que l'Église qui est chambardée. C'est notre monde. Et on découvre que, en tapant sur l'Église, on tapait sur des valeurs fondamentales. Vivre ensemble, réciprocité, amour, justice, amour de l'ennemi. Et je vous en passe. Ce n'est pas seulement des valeurs d'ailleurs, c'est notre foi. La foi est plus que des valeurs, mais s'appuie dessus. Et maintenant qu'on coupe la branche, on s'étonne que l'arbre vacille. Jésus dit de lui, « Je suis le roc ». Tous ces gens qui ont construit cette église, qui est probablement l'une des plus anciennes sur pattes de tout notre secteur, hein, dans leur tempête, se sont appuyés sur ce roc qu'est la foi et qu'est Jésus lui-même. Est-ce que c'est une méthode couée? Est-ce que c'est juste pour se rassurer? Nous ne le croyons pas. Nous croyons que Dieu est là dans toutes nos tempêtes, qu'elles soient celles de l'Église, qu'elles soient les nôtres, qu'elles soient celles de notre monde. Dieu peut-être pourrait sembler dormir. Que fais-tu? Où es-tu? Nous laisseras-tu couler? Mais c'est quand la foi est difficile, c'est quand l'amour est difficile, c'est quand l'espérance est difficile, que l'on peut en vérifier l'authenticité. Si on aime Dieu que pour les cadeaux qu'il nous fait, c'est ces cadeaux que nous aimons et pas lui. Si comme un vrai disciple, nous prenons notre croix et nous le suivons, si nous ne nous rougissons pas de lui, jusqu'au bout, nous aurons part avec lui et nous serons féconds avec lui pour toutes les générations qui vont venir, je l'espère, encore sur notre terre. Alors, redites-moi les trois noms pour lesquels on prie aujourd'hui. Denise, pour qui d'autre? Angèle. Denise, Angèle, Odette. D'accord, ça me va. Odette, c'est le nom d'une cousine germaine à maman qui a été béatifiée. Elle a été béatifiée parce que c'est une des martyrs d'Algérie. Elle a vécu simplement avec des habitants de ce peuple jusqu'à la guerre civile avec eux.
et elle a été une des victimes de cette guerre civile. Elle a refusé de répondre à la violence par la violence, avec les moines de Tibrine, avec d'autres. Elle fait partie de ces témoins que, que l'amour est plus fort que le mal. Alors en même temps qu'on priera pour Odette, on peut se confier à cette Odette qui est la cousine Germaine à maman. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, que le présent temps illuminera le pain du royaume éternel. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions. Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Aie le Seigneur recevoir nos offrandes et de nous unir au don du Christ en cette Eucharistie pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé. Tu nous fais partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection.
nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier tous ceux qui ont contribué à cette Église. Nous te prions aussi pour Odette, pour Denise, pour Angèle, pour tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous te prions pour nos grands-parents, pour nos parents, tous ceux qui ont besoin de notre prière et qui ont du mal à te rejoindre. Sur nous tous, enfin, sur ce peuple des montagnes, nous implorons ta bonté pour que un jour la foi renaisse en abondance. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, mon Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Jésus, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne-la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu es dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, quoi qu'il règne pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps.
Le corps est fait. Le corps est fait. Voyez, l'église elle est comme pour les oiseaux. Ce n'est pas une cage fermée. Rentre qui veut, sort qui veut. Il y en a un qui est parti, il avait eu juste le temps de poser un ciel. Un autre qui est resté pour participer à la messe, j'espère qu'il aura bien communié avec ses derniers mots. En tout cas, qu'il est que chacun là où il en est, rende gloire au bon Dieu. Je vais prier pour moi parce que je vais me reposer. Je ne vais pas avoir autant de vacances que je vais en avoir pas mal, comme jamais ça m'est arrivé. Vous prierez pour moi, moi je vais vous oublier. Mais non, je reviens le 1er août en pleine forme. Je pars pour revenir mieux. Donc, je vous confie au Père Serge, avec qui nous nous sommes coordonnés tout à l'heure, qui va faire le tour de beaucoup de clochers aussi. Et je suis sûr que vous lui ferez le meilleur accueil. Comme il ne cuisine pas beaucoup, n'hésitez pas à lui faire un plat pour une personne ou à l'inviter à manger avec des mesures barrières. Prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour la fidélité des hommes au travers des âges. Donne à notre génération de réaliser qu'elle ne peut pas vivre sans la terre, qu'elle ne peut pas vivre sans toi, toi qui es la base de tout, toi qui donnes ta vie pour que tous aient la vie, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Est-ce qu'il y a des années? Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. C'est pas difficile. En haut, en bas, à gauche, à droite. On fait une chorégraphie. Sur le signe, je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.
votre enfant est béni. Sainte Marie,